Le 27 mars restera une date qui sera marquée dans l'esprit des collaborateurs, à la fois de la société, mais aussi de tous les partenaires. C'est la réouverture de ce terminal. C'est important parce que ça signe surtout un redémarrage d'activité pour la Côte d'Azur. La planification des vols telle qu'on la voit pour la saison été nécessite, avec le trafic de pointe, qu'on ait plus que le terminal 2. C'est très encourageant, ça montre que d'une part, un certain nombre de personnes veulent venir de l'étranger visiter notre belle région. Et c'est aussi important pour les Azuréens, que ce soit pour des raisons touristiques ou pour des raisons d'activité professionnelle, de pouvoir se reconnecter avec le monde, parce que c'est le développement économique des entreprises qui sont présentes sur notre territoire. L'objectif avec l'ensemble des partenaires de l'aéroport, c'est que ce terminal 1 soit réouvert en totalité. Alors, on est aujourd'hui, 27 mars, dans le début de la saison été aéronautique. Tous les programmes de vol des compagnies changent et la montée en puissance du trafic va se faire tout au long du mois d'avril et de mai. Donc, à mesure que le trafic augmente, l'ensemble des installations et des boutiques vont réouvrir. On est à 60-70% du nombre de vols de l'année passée. Ça va monter en puissance. C'est difficile de donner un chiffre par jour. Parce que vous voyez, dans une semaine, on va avoir des ouvertures de lignes. À la fin du mois d'avril, on a un vol sur New York avec la compagnie United qui va partir de ce terminal. Voilà, donc on voit que l'activité reprend.